Salut, on se retrouve sur Fallout 4 pour une autre vidéo. Alors là, je voulais faire une petite vidéo parce que j'ai trouvé un camp qui est quand même assez impressionnant. Et depuis tout à l'heure, il y a des hélicos de la confrérie d'acier qui l'attaquent, comme vous voyez là. Et ils sont défoncés par les mecs. C'est un mec de la confrérie, ça ou pas? Société de l'hélico. Le camp est assez impressionnant derrière une prison, un truc comme ça. Et j'ai trouvé aussi un abri que je vais vous montrer. J'essaie de voir au sniper. Il va s'arrêter. Voilà. Ça c'est fait. Tac. Je suis caché toujours. Ils ont pas l'air de se voir. Faut que je trouve un endroit. Au loin. Ah, il y a des membres, c'est ceux qui étaient dans l'hélico, tout ça. Ouais, je suis un peu avec la confrérie d'acier, pour ça que je les aide. Merde, tu te barres, c'est fini. Il y a quelque chose dans le coin. C'est costaud le mec là-haut, parce qu'il s'est pris une balle de snipe, mais il est pas mort, alors que mon snipe fait quand même pas ses dégâts. Hop. Allez, là, la personne à confrérie. Plus de visuel. Je suis là, je vais t'aider. J'essaie de trouver un endroit pour entrer. Au bruit de tourelle. Fouille les corps, je vais essayer de prendre que les munitions parce que les armes j'en ai déjà plein, on a en chier partout. On dirait des militaires, pas des pillards. Ah, c'est des artilleurs! Apparemment, les artilleurs, normalement, ils sont quand même assez forts. Alors, on va voir ça. Si j'arrive à rentrer. Là. Place des artilleurs. Allez, on rentre. On va fouiller un peu ce bâtiment. Bon, il y a les molos.
J'adore ce fusil, franchement. Pour pirater le robot, il pourra m'aider. Voici, il est là à l'écran. Je vais pirater le robot, comme ça va être fait. Tac. Base. 1. On va reprendre comme ça. Je vois, il y en a deux. Ça y est. Ah, voilà. C'était Yen. Voilà. Nickel. Ouais, et ils ont investi un endroit qui ressemble beaucoup à un peu à la Maison Blanche, j'ai envie de dire. Il n'y a que moi qui vois ça parce que ça ressemble pas du tout à la Maison Blanche, mais bon, pas grave. Mais c'est ce que je crois. Je vais juste pas con. Hop. Place trop d'armure de combat. Oh putain! Il va péter! Wouah, quand ça pète, ça rigole pas ce machin. Déjà trop lourd. Ça, on s'en fout. Non, pas besoin. Hop. Tenue. Je vais garder. Oh, j'aime bien comme ça. Putain, il y a des mines. Et puis quand on met des mines dans sa propre base, quoi. On peut pas m'entendre, c'est pas grave, elle est à l'étage. C'est bon. Oh, le coup de bol. Putain, il y a des mines partout. Saloperie. Fais gaffe, il y a des tourelles, je les entends. Il doit y avoir des tourelles là. Qui est là?
J'ai déjà trop du scotch et tout le bordel. Oufoui. Je regarde parce que des fois il y a des codes dedans qui permettent d'ouvrir des portes qu'on peut pas ouvrir normalement. Non. J'avais même pas vu, mais je sais pas, c'est peut-être parce que j'étais accroupi que ça a pas marché, parce que normalement, j'ai passé à travers. Petite touche d'humour de Fallout. Bon, ça fait pas rire tout le monde, mais moi je trouve ça marrant. Le mec qui est mort sur les chiottes. C'est bon. Putain, grenade! C'est un piège! Les rubans adhésifs, je prends quand même. Ça peut toujours servir, de toute façon. Voulu jeter une grenade, ça a pas marché. Putain, j'ai complètement tiré à côté. Putain. Faut que je fasse gaffe là. J'ai pas. Non, il est déjà fouillé.
vas morfler. Ah, je crois... Depuis tout à l'heure, je crois que j'ai des armes, mais en fin de compte, je balance que dalle. Oula. On va voir si j'ai tout. Ça va balancer, tant pis. Moi, ça, 3. C'est bon. J'en viens à droite, c'est bon. J'en viens à gauche. Merde, j'en ai balancé. J'en viens à gauche, c'est ça. Tac, j'en viens. Place 30 secondes, très difficilement. Ouais, c'était comme ça. Attends, je regarde si j'ai... Ça. C'est pas bon quand je suis. J'avais tout et de ce coup. Top terminal, on va pirater. J'y suis. Un bouquin. Ça n'a pas l'air de se crocheter. J'essaie de les avoir, mais... Il passe juste là. Oh, le flip, il passe juste là. Ah oh, pute.
Putain, je perds masse vie là. Trop lourd, il faudra que je fasse un tri. D'abord, je vais juste tout récupérer, faire le tri après. Saloperie. C'était le chef, ça peut être lui. Je marche tout doucement, tout doucement. Pas encore assez. J'aurais pu voir en bas. Bon, je m'en fiche de ça. Hop, tant pis. Pff, si c'est légendaire, pas grave. Il me faut... faut le bras gauche. Mais non, c'est droit.
Voilà. Est-ce qu'il y a un truc à fouiller? Souvent, quand il y a un chef, il y a un livre, un truc comme ça. On va fouiller, de toute façon, on va trouver ce livre. Je vais bien l'avoir un moment. Tac, bon bah. Ah, il y a une porte qu'on ne fait pas ouvrir tout à l'heure. Impossible de crocheter ça. Toujours pas, même si j'ai les clés. On va aller là. Je pense que c'est sur le toit. Ah là là. Putain, il me fout les boules, lui. Ah, c'est le mec, je crois que j'ai touché tout à l'heure. Dans la tête. Combien? 94, 63, 40. Ouais, j'ai envie de vous dire, le lance-roquette. J'en ai déjà plein à la base et tout, on va le laisser là. Rien à voir. Ah là, un Fat Man. J'en ai déjà aussi, j'en ai déjà. Sans en récupérer trop, de toute façon. J'avais masse tout le temps. Un Fat Man. Quel nom de merde. Bon bah voilà. Je pense qu'on va se laisser là. Tiens, on va le dirigeable de la confrérie de l'acier là-bas. Je pense qu'on va se laisser là et... Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye.